Assurer la sécurité alimentaire des populations, principal défi du gouvernement qui invite les Burkinabés à s'adonner à l'agriculture à l'aide de moyens modernes de production. Des producteurs ont accepté de s'investir dans cette œuvre exaltante, à l'image de Brahima Ouattara du village de Koro 3 dans le Oué. Brahima Ouattara est spécialisé dans la production sémencière depuis quelques années. Mouni Baro. Brahima Ouattara est aujourd'hui un homme heureux malgré son handicap physique. L'homme ne s'est pas apitoyé sur son sort comme le font certains. Il s'est plutôt lancé dans l'activité agricole de type familial à Koro 3, localité située à une vingtaine de kilomètres de la ville de Bobo-Dioulasso. Depuis 1979, j'ai fait la cour de sort, je n'ai pas eu à aller loin. Bon, comme mon papa avait des seins, je me suis retourné chez mon papa, venu faire me mettre dans l'agriculture. Depuis 2004, M. Ouattara a bénéficié de nombreuses formations dans les domaines agricoles. Et grâce à cette expérience enrichissante, l'homme arrive à produire une quantité importante de denrées alimentaires, contribuant ainsi au renforcement de la sécurité alimentaire de sa famille et également des autres. En outre, cet exploitant ne se limite pas seulement à l'agriculture familiale. Il s'est aussi spécialisé dans la production des semences. Et cette année, il possède 26 hectares de maïs, 16 hectares de sésame et bien d'autres spéculations. Alors, on peut le dire sans risque de se tromper, que le revenu de Brahima Ouattara est basé essentiellement sur l'activité agricole. Et ce, grâce aux membres de sa famille qui accomplissent la plus grande partie du travail. Dans l'agriculture, il y a beaucoup d'intérêt. Tu vas produire, tu vas manger, tu ne vas pas payer de nourriture. Ça, c'est beaucoup d'intérêt. C'est quelqu'un qui va payer, c'est toi. Toi, tu ne vas pas demander quelqu'un. Ça, l'intérêt ne dépasse pas ça. Et puis, tu vas vendre, tu vas payer l'escolarité de tes enfants, tu vas construire. Ça, c'est beaucoup d'intérêt dans l'agriculture. C'est mieux même d'aller travailler. Quelqu'un ne te commande pas. Les enfants aussi. Même tu peux faire tes enfants là comme des salariés. Monsieur Ouattara, il travaille très bien. Donc c'est quelqu'un vraiment, il a les techniques de travail quoi. C'est pour cela même moi-même je le suis. Malgré son courage dans le travail, ce producteur n'est pas à l'abri des difficultés dans la réalisation de son projet. Si l'État peut permettre de trouver des bons engrais et puis des bons herbicides, c'est ça qui est le problème de nous les agriculteurs, nous les grands producteurs. Si tu fais la semence dans ton sang, tu peux avoir beaucoup au lieu d'aller enlever ailleurs, viens semer, bon, et puis tu ne vas pas avoir beaucoup de rendement. La campagne agricole s'est difficilement installée cette année et Brahima Ouattara commençait à se faire des soucis. Mais à l'heure actuelle, tout semble aller. Dans ce champ par exemple, le maïs est au stade d'épiaison. Et encore, avec la clémence des dames nature, tout laisse à croire que l'espoir est permis.